un des plus beaux moments, des plus forts, c'est quand il a accepté de me regarder. Il a tenu mon regard. Parce que ces enfants-là, je vous le disais, ne supportent pas qu'on les regarde. Oh, c'est terrible pour eux, c'est horrible. Donc ils fuient tout le temps, ils sont très fuyants. Ils regardent par terre, et puis de toute façon, ils partent, ils ont les mains dans la bouche, et puis ils partent, enfin, le mur, ils en ont, mais rien en tout cas. Et ils partent très loin, et rien ne supportait pas. Il fallait surtout pas qu'on puisse croiser son regard, etc. Et ce jour-là, encore une fois, j'étais là. Allez, Ariane, maintenant tu me regardes. Et puis, je lui apprenais l'alphabet, parce que comme il n'était pas scolarisé à l'école, il ne voulait pas le prendre, ou deux demi-matinées par semaine, super. Donc, je jouais le rôle d'instit, le rôle de kiné, le rôle de toubib, le rôle de... J'avais appris les massages, machin, etc. Et donc, ce jour-là, je violentais... mon fils, et j'ai tourné le visage, je voulais qu'il me regarde, j'étais en train de lui apprendre l'alphabet, et je voulais qu'il y ait au moins un tout petit peu de... Et là, je lui ai levé le menton comme ça, vers moi, et donc forcément, ses yeux ont suivi, et il a tenu mon regard, il a soutenu mon regard. 3 secondes, hein. Je pense pas plus, mais il a soutenu mon regard. Oh, alors là, oh, j'en ai des frissons encore. Alors là, oh, c'est énorme. C'est juste énorme parce que il est OK. Il est OK pour avancer. Ça veut dire qu'il est OK. Il vous regarde. Donc, c'est le début d'une victoire. Ça a été le plus beau jour. Ah ouais. Et après ça, bah forcément... on a continué à progresser, mais ça a été magique, ça a été magique ce moment-là. C'est immense, parce que votre fils vous regarde, et parce qu'avec ces enfants-là, ben, vous n'avez pas spécialement le droit à ça, au contact, aux petits mots d'amour, aux échanges, à tout ce qui est en droit d'attendre une maman et un enfant. Un parent, d'ailleurs, pas pourquoi une maman, un parent, vis-à-vis de son enfant, et ben tout ça, on l'a pas. Donc, on se raccroche à des choses comme ça. C'est pour ça que je vous dis, on apprend à relativiser. Parce que du coup, et ben voilà, là, mon fils, à l'âge de... j'avais bataillé déjà depuis au moins 2 ans, quoi. Il avait soutenu mon regard. Waouh. Donc, ça a été un moment magique.